Namaste les amis, toujours en direct de Katmandou, et il fait un grand ciel bleu. Je sais pas aller où la mousson. Hein. J'ai super bien dormi, je suis en pleine forme pour cette journée, pour aller visiter Durbar Square. Et en chemin, j'ai rencontré un Népalais qui m'a proposé d'aller boire un verre sur une place avec une stupa. Franchement, je suis super bien. Je bois avec lui un thé typique népalais, puis après j'irai sur Durbar Square. Voilà, je me dirige vers Durbar Square, toujours avec mon ami Mukesh. Que je vous dis que les Népalais, ils sont super sympas. Et que... Bonjour, bonjour. Ah ben, si parle un peu français. Petit peu comme c'est comme ça. Ils sont super sympas, super gentils. Et c'est super facile de les rencontrer. Il n'y a aucun problème. Voilà, je suis actuellement sur Durbar Square. Il faut juste savoir que c'est ici que couronnaient les rois de la vallée de Katmandou et que c'est ici que se trouvait leur palais. Donc, je me suis pris comme un petit guide, une petite demi-heure. Ça peut être sympa, voilà. En plus, il est beau gosse avec son petit chapeau traditionnel népalais. Oui. Voilà. Je m'appelle Krishna. Oui. Oui, voilà. Voilà, une petite demi-heure avec bon, lui. Bon, mon ami. Melosati. Melosati. Allez, Melosati. On y va. Juste devant le temple Jagannath, qui est en fait un temple dédié à Vishnu. Et
sur les poutres du temple, il y a des scènes un peu érotiques. Je trouve qu'ils sont un peu coquins les Népalais hein, sur ce coup-là. Je suis juste devant le palais de Kumari. En fait, Kumari, c'est une déesse vivante ici au Népal. Et elle fait quelques temps des apparitions. Voilà. À cette fenêtre juste ici. Voilà. Il faut avoir la chance de tomber dessus au bon moment. Et voilà, je décide de me poser un peu sur toi parce que ouais, juste derrière moi se trouve le temple de Jagannath qui est dédié à Vishnu. Et juste ici à votre gauche, c'est Kalabela, une manifestation terrifiante de Shiva. Je pense que je vais rester un petit peu ici avec mes amis les chefs juste derrière moi. Durbar Square, c'est vraiment super intéressant. Excusez-moi, je me suis trompé. Le temple derrière moi, ce n'est pas le temple de Vishnu, c'est le temple d'Indrapur, le dieu de la pluie. Je compte rester encore un petit peu ici, me détendre, me reposer, puis j'irai manger. On restera à bord d'Albat. Goraknath, Shiva Guru. Bon les amis, je suis au restaurant et je vais enfin m'offrir mon premier dalbat au Népal. Il faut savoir que le dalbat, c'est le plat traditionnel ici en Népal. En fait, c'est juste une soupe de lentilles avec du riz et du curry. Voilà, je vais goûter. Bon appétit. C'est divinement bon. Les vrais Népalais mangent le dalbat avec les mains. Mais bon, moi, vu que c'est une première, je vais rester tranquille. Me voilà de retour à mon hôtel. Je vais aller prendre une douche et me reposer un peu. Ça va faire du bien. Sinon, pour revenir au dalbat, il était divinement bon. La légende était donc vraie. Et pour revenir à cette matinée à Durbar Square, c'est quand même très 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 fatigant parce que tous les vendeurs ambulants voient seuls pour vendre leur objet. Sinon, à part ça, Durbar Square, c'est vraiment un endroit magique. Se poser, se détendre, l'atmosphère est vraiment incroyable. C'est vraiment un lieu de prédilection ici à Katmandou. Maintenant, direction la douche et mon lit, me reposer un peu. Puis après, j'y reprendrai ma balade à Katmandou. Yeah, that's a...
voilà, de retour à l'hôtel, j'ai passé ma journée à chercher une banque où je pouvais retirer de l'argent. Et j'ai finalement trouvé une banque, c'est Nabil Bank. Voilà, ça m'a exténué, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai enfin trouvé. J'en ai profité aussi pour faire quelques courses. Et j'ai eu juste le temps de me balader tout petit peu encore à Tamel. J'ai mangé et ça m'a suffi. Voilà. Demain, je vais aller découvrir Swayambhunath, un lieu culte chez les bouddhistes qui se trouve au nord-ouest de Katmandou. Et je suis vraiment impatient. Je vous donne donc rendez-vous demain pour un nouvel épisode au Népal avec la découverte de Swayambhunath. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye.